teste. Ah. Salut. Salut. Petite vidéo. En plus, ça tombe bien, j'ai un truc à voir. De jeunes. Ah. Une méchante urbaine. Oh, ça m'intéresse. Bon, alors, c'est parti pour vos conneries là. Oh. On va se dire, raconte. Alors, j'ai fait la tournée sur Eron. Ouais. Et en fait, là-bas, j'ai. C'est quoi la bouteille? J'ai vu un gars, il m'a dit qu'apparemment il y aurait une bonne femme qui se serait tuée, qui se serait suicidée. Et que c'était une mariée. Elle devait se marier et elle s'est suicidée le jour de son mariage. J'en sais pas plus, il n'y a pas pu m'en dire plus. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Non, ça me dit rien. Mais c'est un vieux qui t'a raconté ça ou c'est encore monté à... Non, c'est un vieux. Et elle m'a dit ça et. Et puis voilà. Ouais. Donc, si ça vous dit, ça peut être sympa, ça. On pourrait faire une séance de spiritisme pour essayer de l'appeler. Ouais. Bah, là-bas, il n'y a pas des lieux assez différents vers le cimetière. Si, si, apparemment, il y aurait un vieux cimetière et une vieille chapelle, c'est là où, elle était censée se marier. Ah, ouais, ça peut être pas mal, hein. Non? Qu'en penses-tu? Non. Ouais, ouais, j'ai bidon, hein, vous allez encore m'embarquer dans. Ouais, mais hein. Oui, ça peut être sympa. Bah, oui. Il a encore embarqué dans une de vos conneries à chaque fois. Bah, essayez quoi? Bah, de l'appeler. Il s'est toujours passé des petits trucs quand même. Quoi. Ah, il s'est toujours passé des trucs, le vent qui ouvre une porte, c'est ça qui se passe? Moi, je suis partant. Moi aussi. Moi, je pense que ça peut être bon. Mais écoute, on te ramène des preuves. Non, mais je veux pas des petites preuves aux merdes sur YouTube là. Il s'est passé, des gens sont morts, on sait pas comment, parce qu'ils ont appelé, okay. Je sais pas quoi. Des non. Preuves concrètes. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est quoi? Pas de soucis. Bah demain on y va. Demain on te ramène ça, demain soir, pas de soucis. Voici en direction de la médiathèque, pour prendre la documentation sur la jeune mariée. Hein? Je pense que c'est au niveau 2. Oui. Ça me saoule, je trouve rien dans les bouquins. Tu trouves toi dans ton casier? Ben, apparemment, il y a un article sur elle, mais je peux pas. J'arrive pas à voir où c'est, je comprends un peu rien. Attends, y'a Nick qui arrive. J'ai trouvé un truc, Quoi? C'est quoi? Écoutez, ça va être des vieux journaux, mais j'ai pris dans une pochette, je crois pas que j'ai le droit. Regardez, donc là, la future mariée, deux articles, je pense qu'elle va être. Et C'est même pas vieux, hein? Et quand j'ai vu son mari, j'ai cherché, parce que c'était par ordre alphabétique. Mort, tragique, futur mari. Le jour de son mariage, se donne la mort, on ne devrait pas s'en faire arriver. C'est bien ça, non? La dernière photo de Camilla Jacquemin, au samedi 31 octobre, 1905. Erron. C'est ça? C'est ça. Et regarde, j'ai trouvé ça. Le fils du président. Ça coïncide, quoi? Le président du Peugeot retrouvé. Samedi 31 octobre, jour de son mariage. Ouais, ça coïncide. Son corps a été retrouvé. D'accord. Attends, bah oui? Il devait épouser Camilla Jacquemin, qui s'est donné à la mort ne voyant pas son futur époux arriver devant l'hôtel. C'est fou, hein? Et là, elle est morte comment? Elle a fait quoi, du coup? Ça va, la gueule qu'elle a? Oh, elle fait flipper, quand même. Ouais, ça va. Il est 15h, tout le monde est présent à la chapelle d'Eron. Tout le monde, sauf le marié. Après une heure d'attente, les premiers invités quittent les lieux de la cérémonie. Les amis proches de la mariée tentent de la consoler et de la ramener chez elle, mais en vain. C'est sûr, on va au domicile du couple espérant trouver le futur mari, mais là, ce n'est pas chez lui. Lorsqu'ils reviennent sur les lieux du mariage pour annoncer la nouvelle à la jeune mariée, celle-ci est prise d'une crise de démence et s'enfuit en courant. Après plusieurs heures de quête et la nuit venante, tout le monde stoppe les recherches. Le lendemain matin, aux horreurs, les investigations reprennent et la police va faire une macabre découverte. C'est dans le cimetière de la commune que la jeune mariée s'est pendue à un vieux chêne. C'est au cimetière? Donc on avait raison. Donc elle n'aurait pas supporté de vivre sans Jean qui reste à ce jour donc, vois, encore introuvable. C'est le mec qui t'a dit ça là, pendant ta tournée, ouais. Il avait raison. Bah ben ouais. C'est tout. Je crois qu'on a fait une très bonne découverte. Jean Delaval est décédé le samedi 31 octobre, le jour de son mariage dans un accident de voiture. Son corps a été retrouvé seulement mardi 3 novembre 1925. C'est en se rendant à la chapelle de Eron que Jean a effectué une sortie route à bord de sa Peugeot type 153 limousine. Le jeune fiancé va nous rentrer auprès de sa belle le vendredi 6 novembre. Ah, mais attends, c'est bon, là, c'est des preuves de fou. Kevin, il va être topé. Moi, je pense qu'il faut les carottes. Donc, plus qu'à motiver Kevin. Et après, séance de spiritisme. Allez, go. Allez, on y va. On y va.
direction le cimetière. Je crois que c'était là. Hein. Ouais, ouais, c'était là. Hein. C'était là ? Ouais. Parce que je crois qu'il faut y aller à pied pour le reste. Hein. Bah moi, d'après ce que le mec il m'avait dit, oui, il faut y aller à pied. Ouais, il faut y accéder d'ici. Maintenant, il faut qu'on y aille à pied. Donc, allez, go. Bon, je prends le journal quand même. Ouais, ça peut servir. Pour retrouver son nom sur la tombe. Ah. Tu prends pas tes sacoches ? Non, c'est bon. Non. Putain. Allez, moi je mets ma capuche, putain, je me caille ici. On a assez écrit ce qu'il y a. Quoi? Mais y'a rien. Putain, connard. Hey, c'est quoi ça en bas? C'est quoi? Ce serait pas la chapelle là. Regarde moi. C'est pas marqué sur les documents. C'est trop bizarre. La chapelle des Rocs. Bah c'est ça, c'est le chapelle. C'est ça. Ici, que le mariage. Apparemment. Et le cimetière, c'est où? Non, passe avec le téléphone pour qu'on voit. Oh ! C'est quoi ? C'est la porte. Il y a quoi ? Ah, c'est bizarre. On peut y aller ? Non, putain, t'es trop con! Ah, vous avez peur! Hein. Oh. Mais là, ça fait vraiment flipper là. C'est quoi les papiers là? Tout des magasins, t'as des vieux trucs là. Oh. Oh! C'est glauque! Mais genre, il y a des livres d'or et tout. La porte est sous. Ah, c'est quoi ce chemin? On rentre par un. On rentre d'un côté et on ressort de l'autre. Faites attention les marches. Bon allez, on accède, faut aller au cimetière maintenant. Ouais, vous êtes où? Venez voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. On a vu. Oh putain. Je crois que j'ai trouvé le cimetière. Wow. Wow. Oh la vache. Oh les deux. On repousse la tombe maintenant. Wow. T'as vu l'arbre de malade? Hop. Oh merde, je suis sur une tombe. Ouais, ça, on se tape toutes les tombes une par une. Non, c'est pas ça déjà. Non. Dieu. Bernard, c'est là. C'est là. Non, mais j'aime pas partir entre eux. C'est mon rentrer à lui, vous ne me pas comme ça.
Oh, approche-toi pas trop. Bah oui, c'est ça. Oh, Camilla Jacquemin. Morte à l'âge de 22 ans. Jean de la Vanne. À l'âge de 26 ans. Bah oui, d'ailleurs, à l'âge de 26 ans. Ouais. J'ai hâte de faire la séance. Kevin, on a une preuve pour toi maintenant. T'as plus qu'à nous suivre. Yeah, Kevin rentre du travail. On t'attend, tu vois. On a ce qu'il faut sur la table. Voilà. Bon, Mika est un peu malade, pas traque. Mais là, on a des trucs à te montrer. Regarde bien. Regarde. Les preuves. Alors, allez, je te laisse lire. Mort tragique d'une future mariée. Du coup, maintenant, vous comptez faire quoi? Eh ben alors, on a dit que si on avait des preuves conséquentes, on faisait quoi? Une petite séance de spiritisme. Donc demain soir, vous voulez faire ça? Ouais. Allez, t'es chaud, tu vas pas nous planter. Oui, bah on peut le faire. Ouais. Bah c'est cool alors. Ouais. On se fait ça demain? Oui, on se fait ça demain. Ouais, demain. Ok. J'ai hâte. Ouais, moi j'ai hâte. Ouais. On prévoit tout ce qu'il faut et ouais. C'est bon. Salut. Hello. Ça y est. Direction la chapelle pour la, séance de spiritisme. On va essayer de contacter la mariée Camélia. Et moi je vous dis j'ai peur. Ça commence déjà à faire flipper. On va essayer de ramener des preuves. On est sur la route. Attention. Voilà la route. On voit pas grand chose. Et voilà, c'est bon, on arrive. Enfin. Bah, je sais pas, c'est des interférences, non? Oui, bah, c'est bon, c'est vrai, c'est des interférences. On est en même temps, mais on est dans la campagne, donc c'est des interférences, c'est ouais, pas grave. Ça fait flipper quand même, hein. Mais non! Mais si, si. Allez, on y va. On y va. Ça y est. On y est. Salut! C'est parti. Allez. Allez, ça part de là. Allez, go! Même pas flippant. Je suis premier à y aller. Je suis premier à y aller. Attends. C'est bon. Allez, c'est bon, ça tourne. Allez, go, on met celle-ci en route. Pour avoir les plus de preuves maximum. Salut. C'est parti. Donc, t'es prêt? Parti pour une petite séance de spiritisme. Allez. Vous êtes prêts? Ouais. Vous? Je sais pas si je suis prêt, mais on va dire. Ouais. Toi qui vécu hier, je t'appelle d'esprit à esprit. Reviens de l'ombre de la lumière et manifeste-toi ici. Toi qui vécu hier, je t'appelle d'esprit à esprit. Reviens de l'ombre de la lumière et manifeste-toi ici. Toi qui vécu hier, je t'appelle d'esprit à esprit. Reviens de l'ombre de la lumière et manifeste-toi ici. Nous invitons l'esprit de Camélia Jacquemin à entrer en communication avec nous. Camélia, si tu es là, manifeste-toi. Si tu es présente, fais-nous un signe. Manifeste-toi grâce à la table de Ouija. Camélia, nous t'invitons à rentrer en communication avec nous. Si tu es présente, manifeste-toi par la table de Ouija. J'appelle l'esprit de Camélia Jacquemin. S'il est là, manifeste-toi. Camélia, est-ce que c'est toi? Attends. Mais attendez, vous êtes sûr que c'est pas genre un mauvais truc là, vous savez, genre les esprits malins là. Non, voilà. Oh putain.
Camélia, est-ce que tu es dans cette pièce en ce moment? Attends, filme. Ça parle aussi. Quel âge as-tu, Camélia? Tu as 22 ans? C'est quoi 22 ans? C'est l'âge de sa mort, c'est ça? Ouais, c'est son âge. Ouais, je crois. Ouais. Elle est morte à l'âge de 22 ans. Oui, voilà, c'est l'âge de sa mort. Ouais. Mais tu vois, elle te répond. Est-ce que tu nous veux du mal? Oh putain. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est un tour de force. Camélia, est-ce que tu sais comme pourquoi ton mari n'est jamais venu à ta cérémonie de mariage? Est-ce que tu sais parce que, qu'il a eu un accident de voiture et qu'il n'a jamais pu venir? Alors pourquoi il n'est pas venu? Il n'est pas venu par amour? Comment ça? Il t'a laissé tomber? Putain, c'est quoi ce bordel? Ça fait flipper ça, j'aime pas. Mais... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Camélia, peux-tu arrêter s'il te plaît? Arrête! Chut. Oh putain, c'est les cloches. Non, c'est les cloches de quoi? C'est les cloches. Non. C'est les cloches. C'est les cloches de l'église, là à côté. Mais c'est... Et pourtant, c'est un truc qui est pas en route. Est-ce qu'on peut t'aider? Comment? J'ai froid. Forcément. Je vous donne en mille. Cimetière. Cimetière, c'est ça? Il faut qu'on aille au cimetière? Pourquoi il faut qu'on aille au cimetière? 4. Quatre âmes. C'est qui les quatre âmes? Non, mais moi j'ai... Non. Quoi, nous? Quoi, quatre âmes? Ouais, je comprends rien, là. Non, mais ça fait pareil. Là. La mort, hein? Nous? Oh putain. Oh putain. On n'aurait jamais dû faire cette connerie. En fait, on aurait dû écouter Kevin.
Oh putain. Ça fait quoi là? Oh putain. Ça a fait des fois. Putain. Putain, c'est quoi ce bordel? C'était quoi ça? Oh putain, putain. Le truc là, faut pas continuer? Oh putain. Oh là non, par contre quoi. Oh putain. Oh putain, c'est horreur. Qu'est-ce qu'on fait, on continue, on fait quoi? Putain, ça craint, la porte elle s'est ouverte, les gars là. Grave. Il a plus de bougie. Oh là, j'aime pas du tout là par contre. Hein. Bon, alors on clôture le truc là et puis c'est bon. Ouais. Hein ouais. Oh putain. Camélia, tu es toujours là? Camélia, on va te rejoindre au cimetière, est-ce que tu veux qu'on arrête la séance? Est-ce que tu veux qu'on arrête la séance, Camélia? Ah bon, on sort pas, ça fait... Putain, on aurait jamais dû faire cette connerie là, sérieux, on est con. Je sais pas, comme si je vous l'avais pas dit en plus. Hein. Voilà. Hein ouais, bon, la dernière fois on l'avait fait, moi j'y crois, mais sans y croire quoi. Putain. On fait quoi du coup là? J'en sais rien. De toute façon, il va bien falloir qu'on sorte. Ouais, coupe, c'est bon là, coupe deux secondes là, c'est bon. Ouais, c'est bon, on sort de là. Avec Kevin, tu viens? Ouais, dépêchez-vous. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on aurait jamais dû faire cette connerie. Mais... Attends, c'est bien arrivé. C'est bon là? Oh là là. Bon, allez. Non, oh, mais ça fait trop flipper. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Non, c'est bon, arrêtez. Ah, mais moi je suis pas bien. Aïe! Ça va sûrement non plus. Faites gaffe où vous marchez. On fait quoi là? Ah, on cherche la tombe. La tombe là. Mais j'espère qu'on va pas la revoir, hein, je vous le dis. Hein. Si je la revois, je meurs. Hein. Attendez, on va la revoir quand même, à mon avis, hein, parce que là. Putain, on est pas bien rêvé. Oh putain, elle est encore là. Elle est encore là. Là, on se casse, on va à la chapelle là, on va dans la chapelle. On va dans la chapelle, on se casse là, non? On se barre, on se casse. Allez, on se casse. Vite. Elle est où la chapelle? Putain. Faites gaffe, hein. Il n'y a pas de truc par terre. Elle est là? Oui, c'est bon. Moi, je peux pas, je sors plus de là. Dis-moi que c'est ouvert, putain, dis-moi que c'est ouvert. C'est quoi? C'est quoi ce machin? C'est quoi? Y'a quelqu'un là? Je sais. Je sais pas.
C'est quoi ces bruits? C'est quoi ces chants? J'en sais rien, c'est quoi qui chante? Non, on va se barrer. Putain, non, mais non, moi j'appelle quoi? Appelle, appelle. J'appelle les flics. Attendez, écoutez. Je vais aller au perdre, écoutez. Putain, il y a pas de réseau. Oh non. Il n'y a pas de réseau. Non. Bon, tant pis, on y retourne, on n'a pas le choix. C'est quoi? Je sais pas. Parce que vous croyez qu'on y retourne, sérieux? On n'a pas le choix. Ouais, sans déconner. Hein. On n'a pas le choix, de toute façon, il y a une sortie pas loin. On va y retourner, on va faire rouper. Non, putain, on est sérieux, on est obligé d'y retourner, quoi. On n'a pas le choix, de toute façon. On peut pas retourner à la voiture. Mais non, c'est trop loin. J'en sais rien. Choisissez, c'est vous qui choisissez. Moi, je veux pas être. Alors, maintenant qu'on a commencé le truc et tout, qu'on l'a vu, à mon avis, il faut finir la marche. Non, mais imagine, ça nous. Ça fait comme dans les films, si on suit pas après la. Non. Je veux pas que j'ai la fin de la fin de ma vie, ça vaut rien à ce. C'est où là? C'est où le chemin? Je sais même plus, on est perdu. On est où là? Après, il y a plein de trucs par terre et tout, là, sans déconner. Ouais, pour moi aussi. Qu'est-ce qui se marche? Putain. Oh là là. Ça tombe. Elle est où? Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Chut, chut, chut. C'est quoi? Écoutez. C'est quoi? C'est quoi? On entend quelqu'un pleurer. Là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Là-bas, elle est là. C'est quoi? Oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, non. Non. Ryan, vous êtes où? Vous êtes où? Ryan, t'es où? Il est où? Ryan! Oh non! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça y est, la caméra d'arrivée. Oh mon Dieu! Oh non! Yvine! Putain, il est où? Yvine! T'es où? Vous êtes où? Je suis là! Ah! Kevin! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'elle fait? Kevin. Non! 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 C'est quoi cette folle, putain? C'est quoi cette folle? Allez, Kevin! Mais faut qu'on aille la voir! Putain! Kevin! Kevin! Je vais aller chercher un peu quoi. Oh putain, la voiture.
Qu'est-ce qu'on a fait? Oh putain! Oh non!